heureux ce soir pour fêter les 30 ans des Selkies. Et pour ces 30 ans, nous avons la joie d'accueillir les violons et les altos du Conservatoire Élie Dupont de Pontarlier. Toute la soirée à la batterie Sébastien. Elle vous jouera la chevelure évanescence de Philippe avec des solos aérodynamiques. Philippe à la guitare. Des mélodies entêtantes, endiablées, au violon, Anna. Elle a une voix d'or, elle a des doigts d'argent, au piano, Angéline. Il chante et joue de la guitare. Selkies, qui a 46 ans, membre fondateur du groupe, prof de karaté et mon prof de maths à la basse, Laura. C'est son refuge, c'est son havre de paix. Elle s'y abandonne parfois. C'est son salut, c'est sa sérénité. Elle est hors de portée là-bas. Aucun fléau, aucun sort, aucune plaie n'atteindront Elerina. Quand elle inspire, elle se laisse emporter, flirte avec le nirvana. Elerina, 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 Elerina s'en va. Les détails et les difficultés, c'est son fil d'Ariane. C'est son étoile, c'est sa félicité, son pays de cocagne. Tombent les paupières des yeux d'Elerina. À mille années-lumière,
Nous avons la chance aussi d'accueillir les chœurs du Conservatoire de Pontarlier, dirigés par une main de maître, par Renata. Est-ce que ça va ce soir? Je n'ai pas entendu. Est-ce que ça va ce soir? Voilà. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ah, voilà la petite liste. Alors, dire bonjour, ça c'est fait. Présenter les membres du groupe, ça c'est fait. Accueillir les violons alto et cœur, c'est bon. Demander au public s'il va bien, ça c'est fait. Faire semblant d'avoir oublié quelque chose, ça c'est fait. Prendre la note et la lire, c'est fait. Et faire péter les bouteilles de... Ah oui. Faites péter les bouteilles de champagne! Au fond de ma cave, tu l'endors courbé, il s'arrête.
Vous parlez des Selkies, c'est retracer l'intégralité d'un groupe qui couvre aujourd'hui 3 décennies, près de 200 concerts en Franche-Comté, Suisse et Bretagne. 6 albums enregistrés, vendus à près de 2000 exemplaires. Et 18 porte-clés. Je ne pensais pas qu'en créant le groupe Selkies à la planée, le 1er mai 1988, on en parlerait encore 30 ans après. 1988 ? Eh oui mon petit, t'étais encore au berceau. Et Laurent était déjà là ? Oui, dès le début. On s'attaquait à quelques reprises style rock mélancolique et petit à petit je me suis mis à amener quelques compos qu'on arrangeait collégialement. C'est le 23 juin 1989 à CC, vers Fran, qu'on donne notre premier concert et c'est nous qui l'avions organisé. Un moment mémorable. À partir de là, tout s'emballe et dans la foulée, on enregistre l'album 7 titres, Thinking About, sur cassette. Sur quoi ? Bah sur cassette. Ah oui, j'oubliais, t'es trop jeune. Il y a bien eu quelques changements de musicien et le style du groupe a aussi évolué vers le style celtique. J'étais un peu amoureux de l'Irlande, et c'est à ce moment-là que le violon est arrivé dans le groupe. Belle période, avec Camille, Fatih et Philippe Gosseres et Laura. Un paquet de gros concerts, et un CD 4 titres, Thirlestown. Ah oui, ça le CD, je connais. Et il sera pressé à 500 exemplaires. Je me souviens des premières parties de La Grande Sophie, de Red Cardel, Soldat Louis, d'Armens, des festivals comme le FIMU, les Celtival, des promos du Locle, et plein d'autres. Et ensuite ? Eh bien la vie avance, et vous appelle vers d'autres obligations. Je suis parti en 2001, laissant le chant à Philippe Schrebinger. Et à la guitare, un certain Philippe. Ouais, il jouait aussi du banjo. T'es qui, toi ? Moi, c'est Didier Givernet. Je suis arrivé au chant en 2005, dans la même période que Seb. On a fait pas mal de concerts aussi, quelques enregistrements, la compile Pas Seul, le CD Sésame au profit des enfants autistes. À cette période, il y a eu aussi quelques petits changements. Marion Prenot-Guinard au violon, Alain Travostino à la guitare. Ah oui, Alain, je le connais. J'ai joué avec lui dans Gambrinus. Oui, on a même fait une fête de la musique ensemble et c'est par ce biais que tu as intégré le groupe à mon départ en 2010. Du coup, j'ai posé ma voix sur Pint of Happiness, qui était en gestation. Et en 2012, Camille nous a laissés pour faire des pizzas, comme toi d'ailleurs. Eh oui, je suis devenu le père Gigi ce jour-là. Et c'est à ce moment qu'Angéline et Anna nous ont rejoints. Belle évolution depuis, avec le Festival de la Paille, les Interceltiques de Lorient et le concert au Kursaal à Besançon. Et enfin des textes en français, j'aurais tellement aimé. Et deux nouveaux albums ? Oui, La Fée Verte et Le Fil d'Ariane, enregistrés par Nico, notre sonorisateur. Ah, ce soir, j'aurais bien aimé réentendre quelques-unes de mes anciennes groupes. Ah oui, quelques bons souvenirs. Eh bien, pourquoi pas ? I push the door and I heard you laughing. What is something left to say? Look at the world as if I was not here. What is something left to do? I could have gone any farther tray. It was something right to do. I could have brought you down that time. There is something wrong with you. I saw you try to put me away. There is something wrong. Yeah.
my feelings run into your heart. Keep forever.
Allez, on embarque, direction l'Amérique, sur la ligne La Pinta et la Santa Maria. Thank you.
chantons faux, chantons fort. Chantons-le, chantons-le fort. On va rester un peu dans le même univers, celui des voiles et du vent, celui du bateau. C'est dommage, et c'est ce qui manque en Franche-Comté, enfin ici à Pontarlier, c'est une grande étendue d'eau entre deux continents. Ce serait pas mal pour écrire des chansons de marins. Bon, on a bien le lac Saint-Point, mais c'est un peu juste, quoi. C'est un peu juste pour connaître les alizés, l'odeur du sel, le vent, les nuages, les vagues, être seul, prendre le large, connaître le froid, les galères, les icebergs, les entrées d'eau, la panique, les femmes et les enfants d'abord. Enfin, heureusement, il y a toujours un capitaine au bout du bar pour nous raconter tout ça. Thank you.
randonnée d'un samedi, une marche soutenue. Le creux, c'était le nom du lieu-dit où elle m'est apparue. Vous ne me croirez jamais, pourtant elle était là, couchée sur une feuille de noisetier. Je n'en revenais pas. Lucia, c'est pas la Saint-Nilo, ce n'est pas la Sainte Eléa, ni la Saint-Mathéo, c'est pas la Saint-René, c'est pas la Saint-Julien. Pas le Saint-Nectaire, ni le Saint-Marcellin, ce n'est pas le Saint-Aubin, ni le Saint-Félicien, ce n'est pas Saint-Nazaire. On a cherché,
On a fait tous les saints du calendrier. Et attends Seb, en fait on arrive à un moment de la chanson important. Seb. Attends, on arrive à un moment crucial de la chanson. En fait, pour ceux qui connaissent pas la chanson, à un moment je dis et vous les filles, vous portez des seins, enfin je sais pas quoi, des bonnets. Voilà, il y en a un qui connaît la chanson. Donc normalement, Angéline répond qu'est-ce que ça peut te foutre. Et puis là, je me suis dit tiens, on va se faire un petit plaisir. On a près de 1000 personnes ce soir à Pourny. Si 1000 personnes pouvaient me dire qu'est-ce que ça peut te foutre, ça me ferait plaisir. T'aimes ça, hein? Donc ça fait, et vous les filles, c'est quel bonnet? Là, Seb, il est réactif. Seb est réactif. Donc ça, c'était l'essai. Et donc, on y va pour de vrai? Eh, plus fort, hein, parce que là, c'était un petit peu mou. Hein. On aurait dit 500 personnes. Donc, Et vous, les filles, c'est quel bonnet? Petit, l'eau glacée trouble la muse des poètes et tout est plus flou. La dose s'épaissit, le sucre est dissous sous l'eau d'une fontaine. Mademoiselle la fée mêle les douces liqueurs au parfum anisé, pouvoir séducteur. Mademoiselle la fée blanche ouverte et gérée, dites-moi donc rêve. Je rentre après. Je vais bien. Et m'envole aussi loin que le
la plateforme ouvragée spécialement pour la joie des esthètes, rituels et coutumes provenant du haut doux atténue l'amertume d'un remède qui rend fou. Portrait anti-douleur, au portrait tout craché d'un antidépresseur, mademoiselle la fée qu'on avait interdite, qu'on avait prohibée, partage ta magie.
Je viens de vous raconter l'histoire de Marcel, dont le corps fut retrouvé près de la citadelle, mutilé, déchiqueté, pauvre valet de ferme, qui tenta de voler à la vouivre sa richesse, qui tente de voler à la vouivre sa richesse, qui tente de voler à la vouivre sa richesse, qui tente de voler à la vouivre sa richesse. Finira comme Marcel au pied de la citadelle. Une nouvelle petite histoire d'amour cette fois-ci. La belle demoiselle, le joli coquelicot, mes filles de dentelle disparaissent aussitôt. Belle demoiselle, joli coquelicot. Bella Grigliano, Bella Grigliano, Bella Grigliano.
Ce soir un clair de lune, l'accompagnant ses songes d'une humeur taciturne. Doucement il se plonge dans les espoirs d'hier, dans ses rêves perdus. Pose un genou à terre, mais sans s'avouer vaincu. Car le temps est une guerre, chaque jour une bataille. Il y en a qu'on perd, et d'autres que l'on gagne. Puis d'un geste délicat, il se sert un whisky, un petit McNamara, pour un peu de répit. Ressurgit de ce bled, souvenir passé, le port de Stornoway, sa ville natale, le grand-père qui disait sur son bateau à voile que la vie est une guerre, chaque jour un combat, une aventure, une terre à conquérir en roi. Parole du loup de mer qu'il était autrefois, entre un camp d'ordinaire, un petit McNamara, fils de la mer, fils de l'Écosse. Comme grand-père, rouler sa bosse. Assis au coin du feu, il revoit dans les flammes le rire de son aïeul, de son compagnon d'armes, qui déclarait parfois, un peu comme une devise, un petit McNamara entre chaque entreprise. Fils de la mer, fils d'Écosse, comme grand-père, rouler sa bosse. Avec tant d'eau sur son visage, dans ce beau paysage, Marie-Hélène attend son amour.
avec tant de vagues sur la plage, la tendresse des nuages. Marie-Hélène attend au petit jour. Transit le cœur en peine, Marie dans ses mitaines, laisse un peu de vent caresser son cou. Malgré tant d'amour en héritage, le temps lui fait ombrage. Marie-Hélène attend malgré tout. La tempête sur le rivage tempère son courage. Marie-Hélène attend son retour. Thank you.
sur son lit.